Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'essai d'un Golf 7 R. Alors la dernière fois c'était en 2014. Là on est sur la dernière phase. Donc avec les interfaces tout LCD. Donc 2019. Donc voilà, Jérémy sur Proprio qui est là. Nous l'a présenté gentiment pour un peu faire le comparatif de l'une et de l'autre, parce que ceux qui sont abonnés à la chaîne, vous avez vu la bleue qui est en passage éthanol aussi, celle-là pareil, cette R éthanol. C'est ça. Et donc du coup, ouais, si tu veux nous en dire plus. Donc, sur la voiture, il y a une petite gestion soft, histoire de mettre un petit peu plus de reprise. Voilà, j'ai pas cherché à faire quelque chose d'énervé. J'ai juste poussé le vis, on a mis un petit stage 1 très très soft qui donne 345 chevaux alors que de base elle est sur du 2 litres turbo 310 chevaux. Voilà, après niveau esthétique, il n'y a rien qui a été touché hormis le toit où donc j'ai fait placer un covering. Je vais vous montrer tout de suite là. Donc ça c'est Hot Cover qui a l'Escar, qui sont spécialistes dans tout ce qui est covering et protection, logo. Voilà, et donc après il n'y a pas d'autres modifications qui ont été faites, que ce soit ligne ou échangeur ou quoi que ce soit. Voilà, parce qu'après j'étais donc en projet de la vendre, c'était pas pour la garder des lustres. Voilà, donc voilà pourquoi la cause, j'ai pas fait de modifications, sinon oui c'est des véhicules où il faut faire des modifications. Après, qu'est-ce que j'ai d'autre à redire sur ce véhicule? Niveau tenue de route, c'est assez bien. Au niveau du châssis, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Après, donc Virtual Cockpit... On va montrer un peu l'intérieur. Rien à dire. C'est quelque chose de très sympathique. On voit les finitions, on va commencer là, rien que par la porte. Elle ne détecte pas la clé, la petite. Voilà. Voilà. Donc voilà pour l'intérieur. Donc vous voyez, par rapport à l'autre, plus d'aiguilles, tout est en écran LCD quoi. Si j'accélère, c'est comme ça. Alors le volant, ça ressemble quasiment à la première génération, ouais. C'est pratiquement donc le même. Je connais aussi la phase 1, mais c'est vrai que le volant est similaire. Et par contre, ça c'est différent. Ouais, l'intérieur du volant. Ouais. Après, donc on est sur du méplat aussi. Ouais. Après, chose sympathique, c'est que on a vraiment un écran qui affiche tout en temps réel. Ça c'est sympa, je crois que sur la phase 1 ça y est pas ça. Non, je crois, je sais plus, j'ai plus en tête. Mais ce qui est bien, c'est ceux qui veulent toujours partir, enfin ouvrir quand le moteur est chaud, du coup on a les bonnes températures quoi. Ouais, on l'a sur l'ordinateur de bord, mais ça c'est vraiment. C'est plus esthétique. Ouais, les manomètres quoi. Voilà. Après, boîte DSG, vraiment rien à dire. Ça c'est du connu. Passage de rapport très très rapide. Et après, c'est un très très bon daily drive de toute façon. Ah oui. C'est l'intérêt d'acheter un 7R, c'est la polyvalence, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ouais, ça je suis d'accord. Et après bon, celle-ci tout au bras. Et au niveau des baquets, donc là c'est d'origine avec le rappel directement. Donc là on est sur de l'alcantara et du tissu. Donc après le véhicule est toute option sauf le cuir, c'est quelque chose que je ne recherchais pas. Après, c'est une Golf 7 normale, sauf que du coup, il y a 4 roues motrices, châssis, moteur. Quoi. Mais autrement, il y a la même polyvalence que la Golf 7. Comprendrait un TDI au niveau de la polyvalence, l'intérieur, le confort et tout. Ah oui, sur ça, ils ont pas fait des folies. Voilà. Ils ont juste fait des. Je peux ouvrir le ouais, pour bien sûr. Ils ont juste fait des petits rappels de LED bleu à l'intérieur. Ouais. Pour rappeler le sigle R. Mais sinon après rien de fou. Hein. Ouais. Ok. Bon allez, on va passer à l'essai routier.
et cette R. Ça me rappelle vraiment l'autre, la bleue. Hein. Il avait une carte ou l'autre Stage 1, éthanol, de mémoire. Et après, il a. Comment ça s'appelle? Il a joué un petit peu sur l'admission d'air et il a changé un conduit apparemment qui bloque un peu l'air. Pas mal de trucs comme ça. Et après. Ah, moi aussi j'ai filtré. Après, c'est de l'entretien ce qu'il a fait, je crois. Moi aussi j'ai filtré air, j'ai. Du coup, carte soft. Voilà. Lui, t'es en mémoire. Bah, où là tu fais le tour au rond-point. On repart bien. Ouais, on redescend. Ça tire un peu quand même. Ouais, c'est dingue. Quand t'es conducteur, tu le vois pas trop, mais. Ah, mais l'autre, la bleue, là, quand on avait été à La Rochelle, j'étais monté derrière en être malade, hein, à faire le port sur la route. Ah. À l'arrière, j'étais pas bien. C'est normal. Devant, ça va, mais derrière, laisse tomber. Ce qui est impressionnant, c'est en fait tout est étagé, tout est étudié en fait pour qu'il n'y ait plus qu'à ouvrir en fait avec des voitures comme ça. Bien sûr. Et à côté de ça, tu peux t'en servir tous les jours. C'est une voiture, c'est en fait c'est une Golf mais avec 300 chevaux. Donc voilà les gars, on termine avec là, cette R de Jérémy. Alors petit rappel, elle est à vendre. Il va faire donc la révision pour la vente, l'entretien, ouais. Les pneus. C'est ça, ouais. Petite révision, tout ce qu'il faut pour qu'elle soit au top pour la vente. Et je rappelle, alors ceux qui veulent aller le suivre sur Snap et sur Insta, je le mettrai dans la vidéo, ça apparaîtra. Et puis voilà, je vous dis à plus sur la chaîne. Ciao tout le monde.